Si vous voulez créer carrément un monde nouveau en conscience, comment on va s'y prendre? Finalement, il est tout à fait possible qu'on ait un libre arbitre et qu'on ait une âme par surcroît. Quand on voit les choses, non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue de la conscience, c'est là où tout change. Vivre à partir de l'amour, à partir du cœur, eh bien nous ferions une vie bien meilleure, bien plus agréable. L'être humain n'est pas qu'un animal, il est aussi un esprit. Et cet esprit, il a des caractéristiques, il a des grandes valeurs. Ça veut donc dire qu'il faut être capable d'établir la connexion directe avec le soi, pour qu'il nous livre les informations relatives à notre destinée. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans un univers intelligent, mieux encore, un univers élégant.